Il y a pour qu'il y ait des solutions, il faut d'abord qu'il y ait des problèmes, en fait. Et donc, évidemment, il y a un biais, en général, quand on ne traite que des problèmes ou que des solutions, en général, il faut donner les noms simples. Puisque très souvent, et c'est un des caractéristiques de nos sociétés, c'est que les solutions deviennent des problèmes assez vite, comme vous le savez, puisque. Donc, moi, je pars de ça, c'est-à-dire, au fond, je ne pars pas du tout dans mon pacifié, tranquille, avec des catégories humaines construites par des gens plus intelligents, philosophes, etc. Je pars d'un espèce d'état chaotique dans lequel se bagarrent des acteurs, une forme d'agonistique généralisée. Finalement, c'est vrai que le constat qu'on peut faire sur maintenant 30 ans, c'est qu'il y a peu d'objets qui parviennent à faire un consensus relativement stabilisé et que toutes sortes de choses génèrent des controverses. Ça devient assez difficile à gouverner, puisque c'est un terme. Et donc là, l'objectif de la sociologie que je développe depuis que j'ai lancé les lanceurs d'alerte en groupe, c'est d'ailleurs depuis 1995, c'est d'essayer de comprendre comment circulent ces questions, comment elles arrivent ou pas vers des solutions. Par exemple, vous enfouissez les déchets radioactifs. Comment vous arrivez à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis. Enfin bref. Vous voyez le genre de truc. Donc tout ça, ça donne une espèce de canevas de fond sur lequel il faut avoir en tête pour comprendre comment la question du comment surgit dans mes affaires. Et bon, on va essayer d'avancer. Je n'avais pas du tout anticipé. Bon, c'est pas grave. Allez-y, on va passer vite. Il y a une première manière de penser ce chaos, c'est de le penser par le haut. Donc je vois tout à fait la bipolarité. Hein. Je vais circuler entre ces deux pôles, en fait. Et il y a évidemment une préférence pour les pôles pragmatiques. Pragmatisme plutôt, on y reviendra. Aujourd'hui, nous avons un concept qui a été d'ailleurs repris par beaucoup d'intellectuels et de philosophes, d'anthropologues un peu moins, c'est l'anthropocène. Avec l'anthropocène, nous avons le concept pour penser nos problèmes, pour les articuler et puis pour construire en fait, enfin peut-être une architecture de gouvernance mondiale qui va nous permettre de solutionner en fait, ce qui apparaît comme quelque chose, vous voyez, d'assez irréversible. Là, vous avez l'Alberta avec ses coupes de pétrole, vous avez typiquement San Paolo, la mégapole monstrueuse, c'est à 6 mois des temps, on a 20 millions d'habitants. Vous avez évidemment les mers de plastique qui sont très à la mode en ce moment, le plastique au sel. Et puis évidemment les pollutions plus classiques, donc les zones industrielles, c'est une zone qu'on a beaucoup travaillé dans la boucle et les temps de Berre, où il se passe des choses passionnantes d'ailleurs. Donc moi, mon boulot, ça va être de partir de ces opérateurs de globalisation que sont des. Le GIEC en l'occurrence, donc des scientifiques, l'IPCC, qui nous propose en fait une vision du monde, alors, qui est intéressante puisqu'elle a interpellé le pape François tout de suite, vous savez pourquoi. Tout le monde a lu l'encyclique du pape François qui reprend largement en fait, les conclusions du GIEC en mettant effectivement le climat comme menace majeure pour notre maison commune, hein, c'est quand même ça, je résume, hein, s'il faut aller vite. Et vous voyez que la forme de sémiologie choisie par le GIEC, en fait, est quand même très biblique, d'une certaine manière. Là, je fais acte de profanation, mais en haut, le paradis, the green planet, make again the green planet, pour essayer. Et en bas, l'enfer, c'est-à-dire la planète rouge, quoi, la planète qui chauffe, qui brûle. Et c'est intéressant parce que les chemins, donc, les petites décisions qui vont se prendre, il y a trois venants à chaque fois. C'est ça la démocratie. Délibérative. Pour faire une décision, il faut être trois, parce que deux c'est difficile, c'est bien. Il faut qu'il y ait une majorité. Quoi. Voilà. Vous voyez que selon les décisions qu'on va prendre, ben, on va aller vers plus de degrés, plus 4 degrés, on ne fera pas moins 0,5, on sait quasiment c'est plié. Enfin, bon. Et vous avez donc cette espèce de représentation globale qui est fournie et qui va diriger en fait, l'ensemble des acteurs et donc organiser le bien commun en fait, de cette représentation. Alors j'ai pris le climat, j'ai pu prendre la biodiversité, puisque vous savez. Il y a aujourd'hui une plateforme internationale pour la biodiversité qui est l'IPBES et la biodiversité pardon, et les services écosystémiques, disons de controverse pour fixer l'intitulé de la plateforme, qui va aussi viser évidemment à essayer de sauver, tant qu'à faire, éviter la sixième extinction et puis les disparitions d'écosystèmes, etc. Bon, on y va parce que si je reste là-dessus. Bon, l'inversion globale est très intéressante, mais elle a tout de suite besoin, parce que ça c'est le modèle qui est derrière, hein, de faire des allers-retours entre des localités, des choses qui sont vécues par les acteurs, et là on va retrouver nos communautés aux prises avec de l'eau, avec des montagnes, avec des forêts, avec des routes, avec tout ce que vous voulez, avec des puits d'extraction de gaz de schiste, vraiment tout ce que vous avez complètement sur le terrain.
Et évidemment, le modèle du GIEC n'est qu'une mathématisation au niveau du système Terre hein, de cette complexité qui produit en fait ce réchauffement émergent depuis donc, le début de l'ère industrielle, on va en faire beaucoup, etc. Et donc tout le problème des sciences sociales, bon, je vais skipper pour mon English, hein, non, peut-être pas le. Ça va être difficile à coordonner, on revient juste un peu en arrière. Voilà, non, l'autre, là, voilà. En fait, depuis maintenant 4 ou 5 ans, pas mal d'acteurs essayent de résister tout en reconnaissant. Alors, toute la complexité est là, c'est de sans tomber dans le climato-scepticisme ou l'anti-écologisme, comme certains philosophes qu'on connaît bien, vont essayer de dire attention, il y a un effet matriciel dans le fait de penser tout par le global. Hein, évidemment, c'est la cause vertueuse qui va tout englober. Il faut être capable en fait, de déplacer le regard et de revenir. À la manière dont des solutions locales peuvent se construire, et c'est là précisément qu'ils vont chercher des appuis, chez Ostrom en particulier, mais pas que, de façon à recontextualiser en fait à la fois les formes de savoir, les capacités d'action et les formes de pouvoir, et c'est là où se joue évidemment une tension très forte pour les sociologies contemporaines, les sociologues, les géographes, et toutes les sciences sociales, qui ont affaire justement à cette hyper-normativité hein, d'une cause constituée mondialement, vous voyez, quand même, on est bien obligé de suivre, de faire tout ce qu'on peut pour sauver l'humanité et la planète qui l'habite. Et en même temps, on voit bien que les injonctions sont de plus en plus de l'ordre de l'adaptation et donc de la considération pour les contextes dans lesquels vivent les groupes humains, les communautés, les ensembles, je ne sais pas comment on va les appeler pour l'instant. Et c'est là où la question des communs et la bipolarité très bien résumée tout à l'heure va fonctionner à plein, puisque les acteurs vont être finalement dans une espèce de double bind permanent entre penser le bien commun, des biens communs planétaires avec une puissance rhétorique très forte. En plus, vous mettez du Bruno Latour inside, ça marche tout seul. Voilà. Et en même temps, de devoir faire avec le contexte et les milieux dans lesquels ils sont pris et qui sont évidemment compliqués. Bon, on va accélérer. Je ne vais pas entrer dans le débat, mais ce qui est intéressant, c'est que cette multiplication des controverses et des alertes qui vont venir de cette tension entre le global et le local, je résume, parce que je me place plutôt dans une mésologie. T'as dit tout à l'heure Jacques Berck, c'était Augustin, c'est le fils, c'est Augustin Berck. Et d'ailleurs, effectivement, j'ai travaillé à des échelles en fait, qui font la relation entre le global et le local, etc. Il circule avec les acteurs à ces échelles-là. Évidemment, ça va multiplier les constellations des archipels, comme vous l'avez dit, des terrains de lutte, puisqu'on va en avoir une version très agonistique, mais dont une des conséquences va être de tenter de réenchanter ce qu'on va appeler des micro-mondes dans notre jargon sociologique, de façon à éviter justement le catastrophisme. L'idée étant que les communs vont servir d'appui pour sortir du catastrophisme, c'est-à-dire sortir en fait de la vision que défend mon ami et collègue, que j'adore par ailleurs, dans le premier point, mais Dominique Bourg, c'est-à-dire c'est foutu, on va dans le on fait des vidéos, des bouquins pour montrer que en fait, c'est inévitable, ça va s'effondrer. L'effondrologie, une nouvelle branche. Donc là, l'autogouvernement, l'investissement des milieux, c'est ça que les acteurs vont véritablement investir comme relevant de cette problématique des communs et avec justement plutôt une orientation pragmatique qui va m'arranger. Hein, parce que justement, je suis dans une branche de la sociologie qui se qualifie elle-même de sociologie pragmatique depuis Boltanski. Ah bon, on peut y aller. Ça tombe bien parce que ça me permet de rejoindre en fait les fondamentaux du pragmatisme, non pas celui de la prose commune, mais celui de la philosophie américaine qui, dès le 19e siècle, avec évidemment Peirce en premier, mais surtout John Dewey, puisqu'il a fait le pont de certaine manière avec les sciences sociales américaines, en ouvrant la voie en particulier à l'école de Chicago, c'est-à-dire de penser en fait les problèmes dans leur constitution à partir de la manière dont se naissent des communautés d'enquêteurs. C'est le terme qui est employé par les traducteurs. Il faudrait revenir aux textes fondamentaux de Public and its Problems, enfin, il y a les textes anglais. Mais en tout cas, il y a sept piliers. Alors, ce n'est pas les sept biens, mais ça, c'est marrant de faire des croisements un jour. L'expérience, c'est le point référentiel pour les diables. Ce qu'il y a de commun à tous les communs, c'est le rôle central de l'expérience. On part de l'expérience et on attribue à l'expérience une capacité, capacitation des acteurs. Et c'est fondamental puisque c'est de là que va naître véritablement la normativité et la capacité de l'action. L'action, ça c'est très souvent la manière dont on résume au fond l'orientation du pragmatisme, on va parler d'efficacité, mais c'est plutôt l'action, c'est-à-dire produire des effets, produire des différences.
Le consubstantialisme, absolument central dans cette approche-là, c'est-à-dire mettre en discussion permanente les conséquences des décisions qui sont prises, pas simplement d'un point de vue déontologique, par exemple, on aurait des normes et des règles, et puis on ne regarde pas les conséquences de l'application des normes et des règles. Là aussi, c'est une dimension qui est très importante. Dans le droit, c'est un des objets de. L'abduction, tout à l'heure, vous êtes pragmatico-inductive, en fait, c'est l'abduction, c'est-à-dire c'est ni déduction ni induction, c'est comment transformer, chemin faisant, les actions et les règles du raisonnement. Et donc, en fait, avec une technique que Peirce lui-même avait bien formalisée, hein, c'est-à-dire introduire une nouvelle question qui n'est pas prévue au programme, et donc de nouvelles hypothèses, et donc changer, chemin faisant, la manière de raisonner. Donc évidemment, le rationalisme là est mis à mal, et donc on voit bien qu'on est. Enfin, tout ça, ça va caractériser assez bien ce que font ces acteurs qui vont se revendiquer ou qui vont utiliser des propriétés qui ressemblent à ce qu'on met dans les communs. Et on est d'accord là-dessus, la liste est très longue, le répertoire des expériences, on en verra quelques-unes tout à l'heure. Processus d'enquête. Il n'y a pas d'expérience de ce type qui ne marche si les acteurs ne se construisent pas des moyens d'enquête collective en cherchant à savoir, donc à répondre à des questions, à résoudre des problèmes et donc à partager une connaissance. C'est vrai que le numérique aujourd'hui accélère ou augmente, en fait, on va dire augmenter, ça fera plaisir à Elon Musk, les capacités des acteurs, puisqu'ils ont envie de mettre en réseau, en fait, les savoirs, les partager. Évidemment, mise en débat, construction et reconstruction des orientations de l'action avec fabrication d'un public dans le mouvement même de l'enquête. Donc, le terme de public, une entrée vague que je partage avec Daniel Sefai, mon collègue le plus proche, c'est de dire que ça permet effectivement d'avoir une ouverture à la définition des publics et non pas de fixer les acteurs dans des catégories préalables. Et le pluralisme, qui est bon, la bannière essentielle du pragmatisme, contre, bon, évidemment, toutes les formes de. Donc, on va revenir à ce qui m'intéresse dans ces opérations de mise en commun, c'est comment ça va devenir des ressorts de contre-anthropocène. Admettons, puisque les scientifiques et les géologues sont tendus vers un consensus, que nous ayons transformé la planète au point d'avoir ajouté une couche géologique. Et donc, on peut qualifier une ère géologique, une période, on va dire, anthropocène, à partir en gros des années 50, à une grande accélération, les courbes sont explicites. Et eux, ils disent carrément, en plus, bombe nucléaire, ça veut dire des marqueurs, notamment le plutonium, qui n'existaient pas avant 1944, avant Manhattan, en fait, vous voyez, et Hiroshima et Nagasaki, et donc, en fait, une rupture géologique mesurable. Avec, donc, dans les strates, vous savez, les géologues sont très empiristes, hein, il faut qu'ils aient des strates qui puissent aller mesurer la profondeur. Et donc, le contre-anthropocène, ça va être, en fait, c'est du Descola pratique. Bon, j'ai des discussions avec Descola, je ne vais pas les ouvrir, mais. Son schéma il est sympa, mais au bout d'un moment, on est enfermé dedans, donc on saute d'une case à l'autre. Là, l'enjeu, c'est de regarder comment les acteurs, à partir d'un interstice de presque rien, c'est-à-dire de micro-monde, là, vous avez un passage entre deux immeubles à Montréal, et une première affiche, un premier pancarte qui dit, alors j'ai déjà là, « This public green space was created by residents », je n'arrive pas à les résoudre, voilà, et maintenu. C'est le terme que je voudrais que vous reteniez, maintenance, parce que je crois qu'on retient, fondamental, et je crois que c'était une intuition de ce point très forte. Le travail de maintenance, pas simplement la création, parce que chez Darnaud et Laval, bon, on ne va pas revenir à cette discussion-là, il y a la dimension créative de la praxis, avec une dimension d'ailleurs qui vont chercher, justement, ils renouent avec beaucoup de dons à un moment donné, des choses comme ça, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir en fait qu'il va falloir tenir. Il va falloir faire tenir tout ça dans la durée. Et donc là, il y a même un petit parc naturel créé par des résidents qui est menacé évidemment par un projet immobilier. Et c'est le point de départ d'une cause qui a cheminé dans Montréal pendant plusieurs années. Ça s'est fini parfois avec des confrontations avec la police, etc. Il y a eu des avancées, des reculades. Bref, une cause typiquement de celle qui ressemble à celle que j'ai présentée au début, c'est-à-dire une espèce de chaos social, de désordre potentiel dans lequel se mêlent toutes sortes d'acteurs, mais qui produit en fait aussi une normativité, des appuis notamment pour la vie. Et donc, le point d'anthropocène, c'est un concept qu'on a introduit dans notre truc pour dire qu'il s'agit un peu comme la contre-démocratie chez Rosa Vallon, il ne s'agit pas de dire d'être sceptique sur l'ère géologique, mais de regarder toutes les stratégies que développent les acteurs en construisant des communs pour en fait inverser. L'anthropocène est donc redonner à ce mix humain en humain qui caractérise cette nouvelle agency dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ses prises,
ses capacités d'action locales. Vous avez un très beau résumé de tout ça dans un collectif qui s'appelle Mauvaise Troupe, qui a fait un ouvrage qui est d'ailleurs accessible en ligne, qui s'appelle Constellation, qui essaie de faire une espèce de cartographie et une narration de toutes ces grandes expériences de construction, en fait, d'expériences communes, du type de celle que j'ai dit. Alors, la plus connue en France pour l'instant, parce que la plus médiatisée, c'est la ZAD, évidemment, de Notre-Dame-des-Landes, où vous avez en construction précisément d'un anti-monde, d'une certaine manière. Donc, le refus de l'aéroport, je me rappelle, le slogan, c'était non à l'aéroport et son monde. C'était donc avec tout ce que ça implique comme reconfiguration d'un monde. Et là, justement, il s'agit de construire ce grand anthropocène. Alors, je passe là-dessus, ça aurait été intéressant parce que ça renvoie à la question de la démocratie. Et alors, ce que je cherche, en fait, fondamentalement, et j'ai été d'ailleurs beaucoup en discussion avec des membres de la France Insoumise là-dessus, on pourrait y revenir parce que je trouve que c'est important, justement, ils ont tendance à aller vers le pôle holistique. L'avenir en commun, c'est une très belle réalisation, en fait, du pôle holistique de la version commune, l'avenir en commun. Alors qu'effectivement, les acteurs qui se rallient, eux, ont ce genre de pratique, c'est-à-dire investissent des lieux et ont une vision beaucoup plus pragmatique des choses. Là, c'est par exemple à Bure. Alors, on les slogans, ils sont marrants, on nous a tous mis en la main, mais donc, occuper le bois, occuper les espaces, investir et construire, en fait, littéralement. Donc, vous voyez qu'on a des laboratoires à ciel ouvert, enfin, en l'occurrence, là, c'est un choix à ciel ouvert parce que bientôt, ce sera la voie, de fabrication de ces expériences communes. Et donc, on a maintenant une casuistique, et je trouve que c'est important de la déployer dans le sciences sociales pour bien la comprendre dans toutes ses dimensions. On y va. Donc, bon, c'était des exemples et une tentative donc, de clarifier un peu ces concepts. Là, c'est un autre exemple de commun qui est fabriqué autour de l'association Terre de Liens. Voilà, bon, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais vous voyez à peu près. Donc, il s'agit d'aider des gens des jeunes gens à s'installer en agriculture, pas des jeunes agriculteurs, souvent, tout le problème c'est ça. C'est comment en fait, quand on a une agriculture qui est en tension et en crise avec des problèmes en fait, de renouvellement, etc. Là, il s'agit de partir de petites fermes avec des projets qui sont toujours en bio en général, avec des petits élevages, avec des circuits courts, voire des amas, etc. Et donc, il y a tout un collectif qui se construit avec des élus, des écolos, des chercheurs, évidemment, qui sont toujours là en parasite, bon, en moi, etc. Un taureau super sympa, parce qu'il est assez rare quand même. Vous voyez le travail qui est fait, vous voyez le tableau au milieu, c'est ce travail de délibération sur les enjeux de l'expérience, sur son extension possible, sur comment on va faire bouger le code des marchés publics. Parce que si vous voulez faire acheter des yaourts aux cantines scolaires de coin, ben, il va falloir gérer le problème que c'est contraire au loi de la concurrence et au marché public et des sans constituer, etc. Bref, toutes ces épreuves-là sont travaillées par les acteurs, et là c'est évidemment la réalisation des concepts qu'on trouve. Alors en partie chez l'Ostro, mais pas que. Puisqu'on va, il va y avoir aussi toutes ces dimensions pragmatiques qui vont être poussées par les acteurs très loin, avec toujours un ressort critique derrière. Puisqu'il s'agit à la fois de développer ces expériences et en même temps de construire des appuis, des bases arrières, c'est ce que disent aussi les gens du Val de Suse dans la lutte, la fameuse lutte hein, sur la ligne Lyon-Turin, des lieux de préservation en fait, de nos acquis sur la vallée. Pour éviter précisément l'emprise de l'ennemi, qui en l'occurrence est à la fois le promoteur de la ligne, la Commission européenne, le gouvernement italien, etc., etc. Et donc vous avez ici fabrication aussi de base arrière pour la critique. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas cette ferme-là. Si en 2015, une ferme bio qui est à quelques kilomètres a été visitée à 5h du matin par les gendarmes pour vérifier qu'on n'avait pas affaire à des activistes dangereux. Qui a eu le malheur 2 ans avant d'aller à Notre-Dame-des-Landes. Et les gars n'ont toujours pas récupéré leurs ordinateurs. Trois publics. Ok. Donc, non, mais voilà, on parlait des gars tout à l'heure. Bon, on y va. Donc, on voit bien que vous voyez bien que là, dans ces objets-là, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est passionnant, hein, on fait une sociologie, on essaie d'outiller la sociologie avec ça, c'est qu'on a bien des déplacements constants d'échelle, des transformations qui étaient totalement improbables, encore dans un état antérieur. Où des pans entiers viennent se entrer en friction, pour employer le terme que j'adore d'une anthropologue américaine, Anna Tsing, pour produire éventuellement d'ailleurs de la créativité, pas simplement de la résistance ou de la tension sociale, parce que justement ça va aider ces groupes à penser autrement leur façon de se poser dans le paysage, d'aller chercher des alliances,
de parler de leur cause pour effectivement publiciser par exemple ce genre de phénomène où de jeunes fermiers bio deviennent des terroristes potentiels pour les services de renseignement. En fait, il fallait que le préfet fasse du chiffre, c'est essentiellement ça d'ailleurs qui est ressorti après l'enquête d'ailleurs de Mediapart. Donc, non, il faut le rester parce que c'est important. Du coup, pour décrire ces expériences, on a besoin d'une notion qu'on emprunte à Deleuze, en fait, et Guattari, mais c'est pas grave. On peut l'emprunter ce qu'on veut, parce que vu le fat track et 1000 plateaux, en fait, c'est 1000 plateaux, c'est comme dans les restaurants, on se sert, vous prenez ce que vous voulez, vous partez avec. Donc, micro-monde, en fait, c'est important de faire attention à une chose, et on en a parlé ce matin, finalement, ça renvoie aussi à la discussion sur le risque de la clôture. Un micro-monde a trois sources de risques majeurs, c'est ce que je tire de mes descriptions. L'autarcie qui conduit à des concrétinismes sociaux, évidemment. C'est-à-dire, vous coupez du reste du monde pour pouvoir préserver justement votre expérience et éviter qu'elle soit abîmée, envahie, etc. L'invasion d'un conquérant plus ou moins proche, qui va évidemment mettre sa patte dessus, donc ça c'est un peu classique, hein. Je vous rappelle, il y a des très belles travaux d'un collègue de l'école d'études qui s'appelle Sylvain Piron sur les premières expériences de commun au Moyen-Âge, ou comment les moines, notamment les franciscains, lutter contre l'Église hégémonique, précisément, bah oui, les premières frictions. Et là, il a peu de traces, il essaie de reconstruire une histoire médiévale, lisez ses textes. Et donc là, c'est ça, c'est tout à coup, voir venir des conquérants, des trucs. Alors ça peut être des écolos, hein. Vous allez avoir tout à l'heure une marinière, je le connais sans copain, etc. Lui, il veut mettre des éoliennes, il va les mettre, ces éoliennes. Bon, on va discuter avec lui. Là, mais il y a des enfants, les gens ne veulent pas d'éoliennes. Bon, alors qu'est-ce que vous faites avec ça, hein? Parce qu'ils avaient construit autre chose. Donc les frictions, ça va faire voler en éclats les belles oppositions, et on va devoir reconstruire des agencements collectifs en tenant compte précisément de la présence d'acteurs qui ont développé des mondes et des expériences dans ces mondes. Et enfin, la fusion ratée avec plusieurs mondes voisins, ce qui génère en général des conflits. Bon là, Shakespeare, il en fait tout le boulot, on ne va pas revenir dessus. Évidemment, ça a été dit ce matin rapidement par un collègue, mais il y a une conflictualité latente dans tous les groupes. Donc, des prises de pouvoir, des enjeux d'hégémonie, des mariages ratés, des comptes qui se rendent. C'est vrai qu'on va prendre l'exemple de la Corse, mais voilà. On y va. Un exemple de dérivation un peu problématique pour nous, sociologues, qui révèle d'ailleurs notre propre normativité. On est dans la participation. Mais en fait, c'est les voisins vigilants. Et là, ils se branlent directement sur l'ordre sécuritaire et ne rentrent pas qui veut en village. Dès qu'il rentre, il est surveillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention. Donc, ça illustre assez bien ce que je pense qu'elle voulait dire Caroline ce matin. C'est-à-dire qu'effectivement, le risque d'autarcie est présent. Donc, pour échapper à ça, et c'était le slide qui précédait, mais c'est un peu important, vous avez tous faim, vous êtes fatigués, mais peu importe l'ordre exact de l'exposé, mais c'est important que des micro-mondes puissent se fédérer et venir, en fait, déployer leur expérience dans des espaces construits en commun par d'autres acteurs. Alors ça peut être des ONG, ça peut être des institutions, on va y revenir si j'ai le temps de présenter ma vision de la sixième république, je ne sais pas, mais on passe là-dessus, ça c'est la définition des formes anthropocènes. Alors ça fait rire évidemment mes ennemis théoriques, qui sont la bande de ceux qui pensent que le capitalisme technoscientifique a déjà pris le pouvoir, c'est trop tard, et de toute façon ils ont toujours un peu d'avance, ils sont en train de tout vernir, de nous faire croire que ça va aller mieux, etc. Et donc, ils vont ricaner, par exemple, quand ils vont voir un jardin solidaire ou un jardin partagé. Le problème, c'est que vous voyez, vous avez le jardin partagé, puis tout à coup, vous avez, par le mérite en l'occurrence, là, c'est la ville de Paris, vous commencez à fédérer les jardins. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça prolifère. Et que c'est des singularités à chaque fois, mais en même temps, vous avez un monde qui émerge, hein, et qui reconstruit, en fait, un contre-pouvoir qui n'était pas visible. Et en fait, ça se produit dans plein d'endroits. Alors, on peut continuer, on va passer là-dessus, etc. Alors, ça a été théorisé en anthropologie environnementale depuis pas mal de temps, sur les écotopies, avec pas mal de théories sur les écovillages, sur des trucs comme ça. Enfin bon, il y a pas mal de littérature. Et je voulais vous montrer qu'il ne faut surtout pas tomber dans la caricature. Ok, c'est des néo-ruraux, des écolos radicaux qui vont rebâtir un petit village et se faire un truc sympa, etc. De temps en temps, aller à une manif contre les hommes et les déchets radioactifs ou à des colloques de sociologues. Non, ça se produit partout. Simplement, on ne le voit pas, parce qu'il y a un problème de visibilité politique, de représentation de ce que font ces acteurs quand ils mettent en commun. Ici, vous avez un groupe qui s'appelle Ma Zone Contrôlée. Il n'y a pas de représentant de l'EDF ici. Non, c'est bon. Ils ne les aident pas. C'est des gens qui ont
réussi à fédérer des expériences, des intermittents, des intérimaires du nucléaire, des salariés d'industrie à risque, et à former à travers un site web notamment, en fait, une espèce de contre-discours sur les conditions de travail, et notamment les conséquences, vous voyez le pragmatisme, des conditions de travail sur la sécurité et la maintenance des centrales. Slide suivant, boum. Peu de gens ont zoomé sur cet événement qui est en fait aussi grave en termes théoriques, pas pratiques, heureusement, que Fukushima. C'est-à-dire qu'un générateur de vapeur, 400 mètres de tonnes, est tombé lors d'une manipulation à Palwell, centrale qui d'ailleurs ne faisait pas trop parler d'elle, une fois que c'est la même qui était tranquille. Et ce n'était pas dans les scénarios. Aucun scénario d'ingénieur, ils ont tout scanné, n'avait anticipé. C'était l'événement, le non-événement, enfin, le truc totalement impossible. C'est du Jean-Pierre Dupuis. Et donc, ce truc tombe, et met tout le monde très mal à l'aise, parce qu'en fait, vous savez que le grand carénage et la tentative donc, d'aider ces vieilles dames que sont les centrales nucléaires à passer le cap des 30, des 40, des 50 ans, on ne sait pas juste. Il va falloir faire un tas d'interventions, et le générateur d'impôts, c'est ce qui fait la liaison entre le primaire et le secondaire, c'est ce qui fait, voilà, sous pression, et donc c'est en contact avec la partie nucléaire, et c'est ça qui produit l'électricité qui fait tourner les turbines. Et donc c'est une pièce absolument centrale, extrêmement vulnérable du fait, en fait de la pression continue, la corrosion, ce que vous voulez, et ça chute totalement anticipé, en fait, bon, il n'y a pas eu de décès. Hein. Donc ça, en termes de niveau d'incidence, c'est drôle, parce que le système de classification finalement relativise l'événement, alors qu'en réalité, tous les ingénieurs, tout le monde était complètement sous le choc de cette perte de maîtrise que signifie cet événement. Et donc le groupe suivant, le groupe en zone contrôlée, va évidemment se saisir de cette question pour faire remonter un tas d'expériences de dysfonctionnement, d'incidents, de défaillances, de perte de contrôle qui ont lieu tous les jours et pour révéler en fait d'une certaine manière l'état humain, la version humaine de ces machines assez inhumaines que sont les centrales nucléaires. Vous voyez que c'est pas uniquement le néo-rural avec ses vaches qui est concerné par le processus. Ça peut aller au cœur des dispositifs technologiques. Je n'ai pas le temps de parler du numérique, on pourra en parler, puisque d'une certaine manière, Edward Snowden, c'est aussi le résultat de ce type de processus. Et bon, voilà. Donc, en accélère, je voudrais juste, on va passer là-dessus. Ça, c'était un clin d'œil, un anti-clin d'œil à Boltanski, c'est-à-dire c'est ma contre-version de la critique. Bon, c'est pas grave, vous le verrez une autre fois. Je voulais revenir sur deux choses, sur cette idée de prise commune, puisque depuis pas mal de temps, dans ce sujet, je développe un concept important, c'est l'idée de prise. Qu'est-ce que c'est qu'avoir prise sur et de donner prise à? C'est un avantage de cette notion-là, c'est que ça permet de comprendre concrètement, d'ailleurs, c'était inspiré de Meyer Lonki au départ, comment les acteurs arrivent à aller dans le monde et à prendre du monde. C'est un peu l'affordance, mais avec une dimension plus phénoménologique que l'affordance, qui est un concept donc, venant de l'écologie cognitive des États-Unis. C'est-à-dire, au fond, comment je me relie au monde et comment, qu'est-ce que j'en prends pour pouvoir agir dessus, etc. Donc, c'est vraiment aller au point de contact, dans les zones de contact, comme dit un collègue. Et donc, du coup, le perceptuel, l'attention aux choses, aux détails, si, par exemple, là, je vois que vous avez faim, c'est clair, perçoit, alors je peux le refouler, parce que mon cerveau droit prend le contrôle sur le gauche, je ne sais plus. La praxis intelligente ne peut pas se penser uniquement dans les termes d'une philosophie politique, elle doit aller chercher une phénoménologie de la perception, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est fabriquer en commun. Ça veut dire être capable de partager des percepts, donc quelque chose qui philosophiquement n'est pas partageable, puisqu'on est chacun dans notre machin, etc., mais biologiquement on est séparés, nos corps sont séparés. Et pourtant, il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que le milieu dans lequel nous sommes plongés nous relie par mille attachements, par mille connexions, et on retrouve en fait la notion de transindividualité que j'ai citée tout à l'heure chez Simon. Donc ça va être fondamental que les acteurs puissent partager ces expériences. Et le cas des opérateurs nucléaires, c'est parce qu'ils partagent des contacts avec les choses qu'ils arrivent à construire un langage commun. Alors c'était intéressant ça parce que le comité invisible, au début, je m'étais beaucoup rejeté leurs voisins, j'étais assez méchant, cynique, etc. Et puis finalement, on regarde de près, ils ont une façon de construire la notion de commune, qui reprend évidemment une tradition, la commune de Paris, la communalité, de manière assez positive, et qui ressemble beaucoup à une valorisation en fait, du commun, tel qu'on l'entend dans les propos. Donc il faut les inviter, ils ne sont pas si invisibles que ça, on en connaît quelques-uns, etc. La notion de prix, c'était une définition, etc. Je voulais juste illustrer l'importance de ce propos-là sur, par exemple, la question de la preuve scientifique. Parce que carrément, pour voir si un modèle résiste, il faut aller dans le sein des saints. Il faut s'attaquer à la question de la science.
Qu'est-ce qui fait qu'un fait résiste et qu'il est scientifique? Et en fait, il y a trois. Ça renvoie à une triangulation, je ne sais pas si c'est un. Mais qui est fondamentale. C'est qu'il y a trois formes majeures de production de la preuve. En tout cas, toutes les controverses que j'ai étudiées m'amènent vers ce modèle-là. Et pour l'instant, je n'en sors pas. Je suis peut-être prisonnier d'une dispersion triangulaire. On verra. Mais en tout cas, vous avez un régime axiomatique. Et le GIEC, le coup de génie, en fait, de la construction du modèle de circulation générale du climat, c'est d'avoir autonomiser complètement en fait un système de calcul à partir de milliers d'observations de modélisation. Vous avez un système Terre en fait, qui est complètement autonome, donc vous axiomatisez. Les économistes ont essayé de le faire, c'est ce que ça donne. D'ailleurs, Ostrom, c'est un résultat aussi d'une sortie, hein, une axiomatisation de l'économie. Un régime conventionnel, qui a beaucoup été étudié, notamment évidemment par les sociologies conventionnalistes ou autres, c'est-à-dire au fond une preuve ne marche parce qu'il y a un accord préalable sur une sémantique. Qui permet d'être d'accord sur les catégories. Si vous n'avez pas une ontologie commune, si vous n'avez pas fabriqué cette ontologie, et ce sont en fait des conventions qui font tenir cette ontologie, ne serait-ce que la manière de décrire, par exemple, la chaîne humaine, Néandertal et compagnie, vous voyez qu'une découverte archéologique vous oblige à tester en fait la solidité de vos conventions et à modifier éventuellement vos catégories. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur l'anthropocène, puisqu'on a en fait conventionnellement décidé, on est en train de décider en fait de fixer une époque géologique. De critères qui sont construits évidemment historiquement. Et le troisième, on ne peut pas retirer, et ça, des bons historiens des sciences comme Dascombe, etc., sont d'accord avec moi, c'est la dimension phénoménologique de la preuve. C'est-à-dire que c'est quand même mieux, comme dirait Thomas, si je peux toucher et voir. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'on va sur Mars, c'est pas mal si le machin ramène des trucs, parce qu'il y a une tangibilité. Et donc un retour tangible, et donc finalement on reste, de ce point de vue, anthropocentrique. Ça veut dire que les prises que vont faire maintenant les acteurs, et là je reste ethnométhodologue fondamentalement, c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, nous faisons constamment des circulations entre ces formes de prise sur le réel, et c'est ça qui nous permet de fabriquer des communs. Si on n'a pas ce niveau-là, le genre Rost a essayé de nous montrer Sylvain et sur lequel il reviendra sûrement, il y a un niveau préalable qui est absolument fondamental pour être dans la réalité. Il ne s'agit pas de faire des communs pour faire des communs, justement, d'un point de vue idéologique. Mais de, bon, je voulais juste finir sur. Voilà, ça c'est le bouquin qui est en train de se finir. On va bon, j'avais une belle citation de Ostrom, maintenant le précédent. Moi, quand j'ai lu le. Voilà, quand j'ai lu l'appel, enfin le résumé, il y avait trois fois le mot système dans le petit résumé que vous avez fait du colloque. C'est faire système deux fois. Enfin, ça me plaît bien parce que je me dis, au fond, ce qu'on a essayé de faire dans notre dernière version de celui pragmatique, donc le truc après, hein, c'est d'essayer de penser dans un système l'équilibre justement de tout ça. Pourquoi finalement, avec toutes ces crises, ces controverses, ces conflits, ça continue à ne pas tourner? Enfin, à peu près, vachement important. Il y a quand même de la casse dans tout ça. C'est parce qu'en fait, il y a des sphères. Complètement différentes qui sont reliées par des opérations politiques, par des accords dans lesquels le droit joue un rôle, notamment dans la partie justement de structurer, c'est des dispositifs d'évaluation et de gestion, entre la production de contre-discours qui peut prendre 10, 15, 20 ans, un siècle, deux siècles. On rigole beaucoup avec le marxisme aujourd'hui, mais voir quand même le travail qu'il faut pour acheminer le contre-discours, le rendre sinon hégémonique, en tout cas performatif. De la même manière, le discours dominant, il n'est pas comme ça, il reste fabriqué. Libéralisme, c'est pas tombé du ciel, ne fabrique, etc. Et voyez que les controverses et les alertes qu'on traite vont faire la relation entre des émergences qui vont venir nourrir ou contester les choses déjà en place et modifier en fait les interactions, les échanges entre les milieux. Puisqu'au fond, je prends juste un exemple, vous êtes fatigué, mais ça concerne l'alimentation, ça va bien. Les OGM, par exemple. Pour décrire la controverse des OGM, évidemment, vous avez une cause qui émerge. On va refaire l'histoire, et ça génère des modifications dans les milieux, où par exemple, un réseau né, qui s'appelle le réseau semences paysannes, il se met à aussi faire du commun. Alors ils ont contesté le terme de commun à un moment donné, parce qu'ils trouvaient que c'était un peu englobant, ça modifie l'histoire, parce qu'ils avaient un problème de propriété, justement. L'idée, c'est d'échanger des semences de manière libre contre l'appropriation économique des firmes semencières. Et donc la controverse de GEM a été un levier pour faire réémerger en fait, des façons de faire
évidemment reconstruite, mais dite paysanne, traditionnelle, dans la manière en fait de travailler les variétés végétales et de développer en fait une biodiversité cultivée, comme on dit, hein, qui consiste justement à modifier. Là, on a aussi l'expérience du commun qui se fait dans cette circulation. On casse une hégémonie, ce qui n'est pas évident, parce que là, j'étais à une réunion de la FDSEA récemment là, qui auditionnait des candidats à la députation politique. On a des gens qui ont 25 ans. Hein. C'est des durs déjà, ils sont pires que la génération précédente. Ils disent, ouais, en France, on ne veut pas d'industrie, mais il n'y a même pas une ferme industrielle en France. Oui, je vois, je ne sais rien du tout, etc. Donc, des mecs qui rêvent, en fait, de trucs totalement automatisés avec des machines, etc. Versus ceux qui vont, au contraire, construire hein, des milieux. Et voilà. Ça nous permet, en fait, de nommer un certain nombre de transformations. Et en même temps, c'est un peu l'humain. Il y a quand même un équilibre possible parce que les acteurs peuvent toujours sortir de la régime. S'ils s'enferment dans le contre-discours, bon, ok, rédacteur, on est dire toujours la même chose. Non, à un moment donné, il faudra sortir. Et on peut sortir par différentes voies, et donc c'est intéressant. Et on va devoir manger aussi. Donc je finis là-dessus, puisque donc là, c'est typiquement les terrains le suivant. En Gironde, vous avez une vigne bio, une vigne chimique, c'est les catégories du culteur bio, là, que j'utilise. Le chimique versus le bio. Où justement, les deux mondes sont en friction. Donc un monde relativement clos et sous contrôle. Du monde professionnel des vins de Bordeaux, l'autre qui est plutôt justement, pas l'anarchiste, mais celui qui sort et qui reconstruit une coalition différente, évidemment liée aux résonances nucléaires, pourquoi ? Alors, ce monsieur nous a expliqué, nous a aidé suivant, à montrer que lui faisait ses greffons lui-même et qu'il allait essayer de rendre sa vie durable pour tenir dans les 50 ans qui viennent, parce que le changement climatique en Gironde, c'est quelque chose, ça se sent tous les ans, maintenant, c'est tendu. Et en même temps, construire un monde qui va essayer de surpasser la salle suivante. Puisque ce qu'on oublie, c'est que le monde aussi nucléaire dont je parlais tout à l'heure, il se retrouve dans les vignes. Imaginez aujourd'hui installer une centrale nucléaire dans cette zone où vous avez les vins les plus chers du monde, et en même temps des enjeux écolo terribles sur la biodiversité, et sur l'estuaire, et sur les pesticides, j'en passe et des meilleurs. Ça veut dire qu'en fait, un monde dont nous avons hérité,